Oh, j'ai l'impression que ça fait des siècles que nous n'avons pas marché ensemble, non, Bob? J'aimerais entendre que tu ne m'appelles pas Bob. Oh, j'adore t'appeler Bob. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Bob? Beaucoup. Mais je peux savoir pourquoi? Parce que je ne m'appelle pas Bob. Oh, je te remercie, je le sais. Je te rappelle que nous sommes amis et associés depuis 20 ans. Je te demandais simplement pourquoi ça te gênait que je t'appelle par ce diminutif. Parce que... Oh, même ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob? Ah, très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Oh, ça le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses, quand tu manges un bon steak, quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, oui. J'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Eh, hey, moi c'est pareil pour Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob. Oh, tu as tout sorte, oui. C'est un petit moment très reposant dans la phrase « Bob ». Comme si je m'asseyais sur la plage, tu vois. Pas bien. Oh, comment te dire? J'aligne les mots les uns derrière les autres, un peu comme les jours de la semaine. Et quand Bob arrive, c'est comme le week-end. C'est vrai, mais ça détend. Tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Si, bien sûr, j'ai même plusieurs, tu comprends, mais j'espère que tu n'éprouves aucun plaisir avec Bob, quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Tu comprends ça, que je n'ai pas le plaisir de ça. Je préfère avec quelqu'un qui s'appelle pas Bob. Et ta femme? Quoi, ma femme? Ma femme, hein? Pourquoi tu ne l'appelles pas Bob? Oh, Jennifer. Oui. Quand on se marie, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Oh. C'est dans les contrats. Alors, ça fait vraiment plaisir à ton mari de t'appeler Bob, mais tu te laisses appeler Bob. Mais je l'appelle déjà Gigi. Ou Gigi. Ben, justement, Bob, ça lui fera des vacances. Ah oui, mais moi... Quoi, toi? Moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Ah bon, ça suffit maintenant. C'est non. Je crois que tu t'es fait une fausse idée de Bob. Mais n'insistez pas, s'il te plaît. Écoute. Écoute. On va pas se fâcher pour un... Arrête! Ça suffit maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai jamais vue dans cet état. Tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien, merci. Oh, refuser à son meilleur ami qui t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Mm-hmm.